Salut à tous, c'est QQ et je vous retrouve pour la suite de Xenoblade Chronicles 2 sur l'écran. Titre, après avoir terminé le chapitre 11, la dernière... pas 11, 9, il n'y en a que 10 dans ce jeu, bordel. Après avoir terminé le chapitre 10 et avoir commencé... Enfin, avoir vu la cinématique de début du chapitre 10. J'ai dit que je vais terminer le 10. Bon, on a terminé le 9. Bref. Aujourd'hui, on va faire les missions secondaires qui se sont débloquées. Et surtout, joli fond d'écran. Ça, c'est assez stylé. Je pense pas qu'on devrait voir autant la Terre, mais pourquoi pas. Enfin, on devrait pas être aussi proche de la Terre, mais... Peut-être juste qu'on n'a pas l'habitude de le voir comme ça. Bref. J'ai bien fait continuer, hein, pas nouvelle histoire. Je suis pas débile à ce point-là. Oui, ça commence mal. Non, c'est bon. Donc, je m'étais arrêté à Argentum parce que j'avais vu qu'il y avait une quête, je crois. Une quête qui n'est plus là, bizarrement. Pourquoi cette quête n'est plus là? Était-elle liée à une lame? Ah non, c'est qu'elle pop de temps en temps. Alors oui, je m'étais arrêté là parce que j'avais vu qu'il y avait une quête et je me demandais si c'était lié à une lame ou pas. Et ça avait l'air de se trouver par ici. Ou juste là, oui, voilà. C'est parce qu'il y avait un coffre chelou et je savais pas si c'était lié à une lame ou pas. Nunu, il veut savoir. Guilde de commerce de Pyritium est plus grande et célèbre que Guilde de commerce d'Argentum, pas vrai? Non. Mais, pourquoi personne ne connaît jamais Guilde de commerce de Pyritium? Pourtant, on fait partie des 11 guildes de commerce nopon. Et Nunu est jeune employé prometteur de Guilde de commerce de Pyritium. Je vois. Mais depuis qu'Argentum est devenu très puissant, autres guildes nopones sont à la traîne. Alors pour réaliser le dernier souhait de Nunui, c'est-à-dire rendre sa gloire à Guilde de commerce de Pyritium, Nunui va rouvrir coffre transmis de génération en génération, vendra trésor dedans et renflouera guilde. Ok. Et pour ça, Nunui a besoin de doublons nop... attendez. Nunui sent odeur de doublons nopons venant d'une poche des amis ponts. Montrez à Nunui. Entendu. Oh, ces doublons nopons de légende. Doublons servent à deux clés pour mettre la main sur trésor légendaire de guilde de commerce de Pyritium. Nombre de doublons nopons dans le monde est égal au nombre de guildes de commerce, donc 11. Mais pour que coffre soit pas facile à ouvrir, doublons nopons ont été cachés dans tout le reste. Si Amy Pond aide à ouvrir coffre, Nunu veut bien partager un peu. Alors, trouvez 11 doublons nopons. On va faire de notre mieux. Nunu est chanceux d'être tombé sur Amy Pond aussi intéressé par l'argent. Hein? Oh, Nunu voulait dire par... pas dire méchanceté, intéressé par argent est plutôt compliment pour guilde de commerce. Amis ponts veulent savoir où trouver doublons nopons, Nunu sait seulement pour un seul. Ah bon? À guilde de commerce d'Argentum, il y a une caisse empilée à centrale de commerce, doublon est tout en haut. Nunu sait pas sauter très haut, alors peut pas atteindre. Allez chercher ce doublon Amis ponts et puis tous les autres, et revenez quand vous aurez tous 11 doublons. Ah. Je pense que je l'ai déjà ce doublon en question. Ah, j'en ai que 8. Je croyais en avoir 9. Mais. Ouh, fragment zircon, je connais pas. Et il y en a 3 en plus. Ouh, elle a l'air payée cette quête. Tu la sens la quête de Endgame? Eh, parce qu'on arrive à la fin du jeu. Et si le jeu est bien fait, il prévoit. Comme le premier, c'est-à-dire de pouvoir te faire reprendre à la sauvegarde juste avant le boss. Ou à la dernière sauvegarde que tu as fait avant le boss, ou alors au point de sauvegarde juste avant le boss si j'avais une sauvegarde automatique. Donc là-dessus, je m'inquiète pas trop. Est-ce que je l'ai déjà fait ce doublon nopon, je pense. Est-ce que ça me tue ça maintenant? Pas du tout. Calme-toi. Alors il y a 2-3 PNJ qui se sont déplacés, genre celui-là, qui permet d'échanger les choses que l'on pouvait échanger à Indol. Mais je m'étais déjà fait spoiler là-dessus, du coup c'était pas vraiment une surprise pour moi. Est-ce que je l'ai déjà ce coffre? Je pense pas que ce soit celui-là. Si c'est celui-là, je l'ai déjà. Il n'y en avait pas d'autres de toute manière. Je crois pas.
que ces grosses caisses, on arrive à sauter dessus une fois sur deux. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai pas l'impression qu'il y ait grand chose d'intéressant sur celle-là. Ouais, non, ça a pas l'air. Je pense que je l'ai déjà, hein, le doublon dont il parlait, mais c'est pas ce qui nous intéressait. On avait éveillé trois lames, en effet. Et celle-là, d'une, alors elle demande d'augmenter la confiance, donc ça on va le faire. Donc on va jouer avec elle. Azami nous demande de l'envoyer en mission et de finir sa quête. De la finir, c'est ça qui est important. Et la dernière, que je trouve pas, pourquoi je la trouve pas? Pourquoi n'es-tu pas là, Ursula? Et Ursula, elle, demande d'insister à son interlude et de commencer sa quête, donc c'est la première qu'on va faire. Paf. Ma petite Ursula. Où se trouve ton interlude et où se trouve ta quête? Assister à l'interlude d'Ursula, puis rendez-vous à Gormoth et commencer la quête une nouvelle fois. L'interlude, elle doit être là, je suppose. À l'auberge de Garfont à Uraya. Ok. Bah c'est parti. Et on essaiera de prendre les quêtes si on les voit, mais j'ai l'impression qu'il n'y en a pas vraiment beaucoup qui soient prévues pour être faites en endgame. Donc on verra. Et avant, on va faire autre chose qui sera très important. Parce que sinon on va pas avoir le temps. Je crois que c'est à Morardin qu'elle est sa quête. Pas du tout. Filature, voilà. Donc on va envoyer Azami là-dedans. Elle n'a pas de durée précise, du coup j'ai un peu peur de ce qu'elle nous réserve. Concentration, courage. Qu'est-ce que je peux envoyer là-dedans? Ouais, pourquoi pas. Ça sert à rien vu que je peux pas l'augmenter plus haut. Rien d'intéressant à envoyer en fait. Donc je vais juste envoyer elle. À la limite je peux envoyer des lames qui sont pas encore 5, qui gagneraient un peu des choses à faire. Ah, j'ai fini Riné aussi hors vidéo parce que j'ai acheté le thé qu'il lui fallait. Et on va pouvoir finir la quête de Gorg aussi avec ça. Ça lui débloquera des trucs, ça lui débloquera peut-être des trucs, ça leur débloquera peut-être des trucs. Si tu le dis. Donc, l'interlude. J'ai viré personne hein, des équipes là. Si lui, à la limite, on va lui mettre qui du coup oui. C'est vrai qu'il a encore des choses à débloquer. J'ai farmé un peu quelques lames. Mais rien de bien méchant. Ah si, tiens, combien je leur fais gagner maintenant? 10 niveaux, toujours. Si je les monte 90, je pense que je les passe 99 d'un coup. Mais je pense qu'on aura fini avant d'être 99. Sauf pour les boss, genre 130 et tout, mais... Et encore, je pense qu'avec une bonne team, tu les tues facilement. Il y a des objets vraiment pétés. Oui? Qu'est-ce qu'il y a alors, celui-là? Tu veux dire quelque chose? Il y a quelque part. Quelque part quoi? Quelque part où j'aimerais aller. Les falaises cobalt, si ça ne vous dérange pas. D'accord. Alors je sais pas si je ferai une longue session ou des petites vidéos, ça sera au pif. C'est la forge d'Alain. Il y avait peut-être des pierres d'Alain. Ah bah non. Désolé, ça m'est passé par la tête.
Les trucs de cobalt, c'est où? C'est où ton truc exactement? Parce que ça me parle pas. Bon, ça doit être dans cette zone-là, et normalement ça devrait l'afficher sur la map au pire. Ah! On a trois nouvelles quêtes ici. Cobalt, cobalt, c'est par ici. Il y a trois nouvelles quêtes en ville, ça c'est intéressant. Ça veut dire qu'ils nous ont pas laissé rien à faire du tout. C'était un petit peu ce que je craignais. Je me souvenais pas que la map ressemblait à ça ici. Tu n'es pas nerveuse avec moi au moins. Nanakori wa atashi no koto mo nigate? Yuki aru touyou ka mubou na shitsumon ni Tora mo chotto bikkuri shichatta mo. Desu yo ne. Nanakori wa shoujiki dou omotteru mo? Ok, donc on sait qu'elle a du mal avec les gens. Ok. On sait qu'on va aller en ville prendre les trois quêtes qui nous font de l'œil. Des fois qu'on puisse les faire rapidement. Même si les quêtes de l'âme, c'est ce qui m'intéresse le plus. Hein. Je connais cette voix, c'est obligé. Bon, c'est quoi ces trois petites quêtes? En général, ces quêtes-là sont pas très compliquées. Du moment qu'on nous demande pas de tuer des monstres niveau 90 et qu'on y arrive à peu près. C'est nouveau ça, non? Salutations! Je suis un peu occupé pour le moment. Attendez que j'ai fini, d'accord? Ok. Ça ne va pas très fort par ici. Les centres de distribution sont tellement dépassés en ce moment. J'aimerais bien entendre les détails. On avait bien assez de notre problème de ressources, voilà qu'en plus des tas de réfugiés d'Intol arrivent. Les civils du Raya commencent aussi à en avoir marre de nous voir, nous autres soldats. Quel gâchis, on est censé s'entraider, pourtant on passe tirer dans les pattes. C'est difficile pour tout le monde ici, pour les réfugiés et pour les gens qui étaient là avant. Ici à Fonsamima, nous avons trois centres de distribution, mais tous ont actuellement des problèmes. Ça irait si on nous aidait un peu, pour le moment on a juste de quoi s'occuper de nos propres problèmes. Voilà qui est désolant. Nous sommes là pour vous aider. Oh, vous voulez donner un coup de main? Eh bien, c'est vrai que si vous nous aidiez, nous pourrions nous concentrer sur d'autres choses.
C'est peut-être que vous pourriez faire quelque chose pour apaiser la colère des citoyens. Pour le moment, ici, on manque surtout de nourriture. Vous pourriez aller en chercher pour nous. Merci. Comme je vous l'ai dit, il y a 3 centres de distribution en tout. Il y a celui-ci, un autre en quai d'entretien Gwendel et un dernier au port de Fonsamima. Chaque centre a ses propres ennuis, alors vous devrez aller parler à leurs responsables respectifs. Ici, on est à Velmo. On a Velmo, plutôt. Je compte sur vous, je ne pourrai pas vous donner grand-chose en échange, mais j'en serai très reconnaissant. Ok. Une nouvelle quête que l'on ne suivra pas tout de suite. Ah. Vous voulez donner un coup de main pour la distribution? Oui. Ça nous rendra un grand service, et on nous manque surtout de plats à base de légumes frais. Si vous pouviez nous en apporter, nous pourrions également améliorer notre service. Ah. Ça, j'en ai 20, et apparemment ça s'achète, je pense, pour que j'en ai 20 comme ça. Ça aussi, j'en ai 20. Merci. Grâce à vous, on a tout ce qu'il faut maintenant. Votre aide est très appréciable. On n'a jamais été aussi occupé que depuis l'arrivée des réfugiés d'Indol. Enfin, c'est bien normal, étant donné les conditions dans lesquelles ils sont arrivés. C'est une époque difficile pour tout le monde. Ces gens n'ont pas le choix, Indol est disparu, leur seule chance de survie se trouve ici. Avec le temps, ils réussiront à se construire une nouvelle vie ici. On ne peut tout simplement pas ignorer ces gens dans le besoin. En tout cas, merci beaucoup, grâce à vous, nous allons pouvoir leur apporter une aide plus substantielle. Ok. On pourrait faire celle-là aussi, maintenant qu'on a ce qu'il nous faut. C'est le flanc canardeur, je crois, que l'on voulait faire. Ah, c'est comme si mon esprit s'éclaircissait après chaque bouchée. Ils sont diablement succulents. Je vais les ajouter au menu de ce pas, les clients vont adorer. Bien, je crois que c'est tout pour le moment. Nous avons les biscuits et les flancs, ce qu'il nous faut maintenant, mais maintenant, il est temps de s'attaquer à la pièce maîtresse, le gâteau. Nous allons faire le meilleur gâteau qu'elle reste et connu, et en faire notre produit phare. Ah, j'espère que c'est pas encore des ingrédients tirés par les cheveux. Genre de la farine mouka. Alors, tarte étoilée... La farine mouka, je sais pas où la choper. Alors, le skinty gâteau, gâteau de la belle amour, je pense que c'est la gaufre astrale qui veut. Ah, j'ai essayé de faire des gaufres aux rainures alignées sur les étoiles pour attirer la chance. Mais ce goût risque de ne rien attirer du tout. Je crois qu'on devrait viser quelque chose d'un peu moins farfelu. Bon, bah je reviendrai plus tard. Parce que tes ingrédients, ils sont putain de chiants à trouver. Pour rester poli. Les deux autres quêtes, du coup, elles se trouvent où? Par ici. Oui, j'aurais pu y aller à pied. Ah, c'est toi. Bonjour. Grand-père a l'air très malade. Oh, ça c'est pas cool. Est-ce que grand-père va mourir? Le problème vient de son flux d'éther, c'est ça? Je devrais pouvoir faire quelque chose en tant que la maîtresse. Vraiment, vous pouvez soigner grand-père? Pas complètement, c'est un manche cher, c'est bien ça? Je ne peux rien faire pour sa partie humaine. Alors nous allons chercher un médecin qui pourra le soigner. Oh, merci encore, une chose. N'en parlez pas encore à grand-père. Si on le trouve, personne qui puisse l'aider, il va être très déçu. Ne te décourage pas, Rex va aider ton grand-père, j'en suis sûr. Oui, je te le promets. Du moins, je vais essayer. Parce que c'est pas dit, ça. J'ai fait A alors que je voulais pas. Nouvelle mission disponible. C'est rapport à des missions de mercenaires, du coup? Sûrement. Ah, trouver un médecin compétent. Botanique, culture nopon, papotage. Alors, j'ai envoyé toutes mes... Hein, peut-être pas. Un petit peu de botanique et après pour le renseignement. Toi t'en as.
Et toi, t'en as. Bah, c'est parti. Elle revient dans 10 minutes. Mais c'est pas ce que je voulais, moi. Moi, la quête que je voulais, c'était celle-là. Le clé d'entretien Uraya et le porte fond de Samima. Bah, c'est pas ici? Ah non, c'est par là. Ah non, d'accord, c'est carrément à l'entrée, en fait. Ah d'accord, c'est pour ça que je le voyais pas. Ah, du coup, il y a un camp de réfugiés ici, d'accord. Vous voulez nous aider? Oui. Vraiment, eh bien votre aide est la bienvenue. Notre centre de distribution commence à manquer de plats de base de viande. Si jamais vous en trouvez, vous pourriez me les rapporter. D'accord. Qu'est-ce que j'ai beaucoup? Pas grand-chose. Ça, ça donne combien? 15. Merci pour votre aide. Cela va bien alléger notre charge de travail. On est très occupés ici depuis que ces réfugiés nidoniens sont arrivés. Certains pensent que ce serait plus simple de les renvoyer d'où ils viennent. C'est parce que la population locale a déjà du mal à trouver de quoi manger. Alors quand les gens nous voient donner de la nourriture aux nidoniens, ils sont un peu attrants. Pour être franc, les tensions ont commencé à apparaître. Enfin, on ne peut pas ignorer ces gens dans la détresse après tout ce qu'ils ont traversé. Ils n'auront pas d'autre choix que de s'installer ici pour de bon, alors nous devons calmer ces tensions. En tout cas, merci pour votre aide, la situation va certainement s'améliorer grâce à vous. J'espère. Sinon, c'est que c'est vraiment la merde dans ton pays, quoi. Ah oui, d'accord, donc c'est la troisième partie de la quête ici, et il y a une autre quête sur le pont. Eh bah putain. Ça rigole pas, par ici. Voulez-vous nous aider à la distribution de nourriture? Je vous remercie, on manque de plats à base de poisson. Merci pour tout. Depuis l'arrivée des réfugiés Nindol, nos services ont du mal à suivre. Nous autres soldats, nous sommes débordés. À vrai dire, on était déjà bien assez occupés avant l'arrivée des réfugiés. Mais grâce à vous, la situation devrait grandement s'améliorer. On va nous donner le temps d'en faire beaucoup plus pour tous ces gens dans le besoin. Merci beaucoup. Ok. Et du coup, faut que je retourne sur la place, c'est ça? Et on reviendra là pour prendre la quête. On fait les choses dans l'ordre ici. Et j'oublie pas la quête d'Ursula. Mais calme-toi la musique, y'a rien d'épique là. Calme-toi du cul. C'est nous. Vous avez aidé les trois centres de distribution. Merci beaucoup, votre assistance nous a été très précieuse. Les Uraïens étaient vraiment énervés, ils étaient sur le point de s'en prendre directement aux réfugiés. Ce n'est peut-être pas juste, mais la compensation semble parfois être un luxe pour les gens désespérés. Quand on ne peut pas s'occuper de soi, on a tendance à penser qu'on ne peut rien faire pour les autres. Mais grâce à vous, nous avons à présent des ressources à partager. Ça devrait faciliter le quotidien de tout le monde ici. Bien, nous pouvons déclarer ce problème résolu. Merci encore pour le coup de main. Y'a pas de quoi. Du moins que tu payes. En XP. C'est le petit Finch qui va être content. Voilà. Bon, par contre, c'est le seul qui est, qui prend quelque chose, quoi. J'espère que j'ai pas trop de lames niveau 5 dans mes persos là. Non, ça va. Et du coup, la dernière quête qu'on a ici, c'est sur le port. Qu'est-ce qui se passe sur le port? Ça en fait pas mal quand même. Même si j'avoue, celle-là était très simple.
Tu vas acheter de la bouffe, tu leur donnes et c'est ok. Tu parles d'une journée? Qu'est-ce qui vous est arrivé? Oh, trois fois rien, j'ai juste coulé mon vaisseau. Mon équipage est sain et sauf, mais ma cargaison gît maintenant au fond de la mer de nuages. Je suis dans le prétin, vous avez pas idée. C'est horrible. Votre vaisseau, là, il se transportait pas une cargaison gormotoise à tout hasard. Ah, c'est la quête d'elle, d'accord. Vous, c'est vous, la sorcière? Mon gars m'ont dit avoir vu une sorcière au loin quand le vaisseau sombrait, mais je n'aurais jamais cru. Oh non! Tant pis pour le plan, je me tire! C'était une arnaque? Attendez! Eh bien, folie foulée. Jolie foulée. Qu'est-ce qu'il lui a pris? Quelle malpolie, ça ne se fait pas de s'enfuir à la vue de quelqu'un. Les amis, vous semblez savoir quelque chose au sujet de cette histoire, vous voudriez bien vous nous éclairer? Bien sûr, tout s'est déroulé lors d'une de mes missions de reconnaissance. Et sauriez-vous pourquoi ce vaisseau a coulé? Ah ah, bien sûr, c'est parce que c'est moi qui l'ai coulé. Tu l'as coulé? Mais pourquoi? Eh ah, pas la peine d'en faire une scène. Ils étaient louches, leur cargaison allait sûrement être utilisée à de mauvaises fins. Alors j'ai coulé leur vaisseau pour couper court à leur manigance et m'épargner des tracas. Quand bien même, cela me semble assez exagéré. Je m'ennuie et j'y peux rien, moi. Tu t'ennuyais, tu as coulé leur vaisseau parce que tu t'ennuyais. Allons, tu sais bien que dès que je suis sans mon pilote adoré, je ne réponds plus de rien. Essaie de voir les choses de mon point de vue, c'est vrai, quoi. En plus, j'avais même pas envie de faire de la reconnaissance. Tu aurais dû laisser quelqu'un m'accompagner. Je m'ennuie très vite, tu sais. Quand même. Je dois avouer que je la comprends. On pourrait peut-être l'accompagner pour cette mission. Oh, tu viens avec moi? Dans ce cas, je serai une très gentille fille, je ferai tout ce qu'on me dit. Morag, que voulez-vous faire? Je préfère toujours ça que de la laisser sans surveillance. Alors vous allez m'accompagner, ça va être génial. Je reprends mon travail de surveillance de ce pas. Allez hop, en route pour le grand event. Ok, mais c'est pas ta quête que je veux faire. Suivre cette quête, non. Moi, la quête que je veux faire, c'est la quête du rien. Non, de... personnage... Enfin, on va la faire, mais d'abord, on veut débloquer celle d'Ursula. À Gormoth. Bon, du coup, on a nettoyé cette ville, c'est pas si mal. J'ai du mal à parler, désolé. Gormoth, Torrigos, paf, paf, paf. C'est pas forcément à Torrigos, d'ailleurs. C'est ici ou c'est pas là? Ah, ça a pas l'air d'être ici. Est-ce que j'ai confondu Gormoth et Goldmoth? Peut-être. Oui, je sais, je ne suis pas très doué avec les menus en ce moment. Non, c'est bien un Gormoth. Mais je l'ai fait son interlude. Oui, je l'ai fait, pardon. Et commencer la quête. Une nouvelle étoile. Ah, moi je veux bien, mais faudrait me dire où est-ce qu'elle commence. Que c'est pas que je ne veux pas, c'est que je ne sais pas. Ou alors c'est qu'encore une fois, elle est à un horaire précis. Dans ces cas-là, on tente tous les temps. Pas celui-là. En pleine nuit. Ah ah! Non, 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 non. Gura no minzoku gakki, Torigoryuto no oto desu ne. Asoko ni iru onna no ko da. なかなかうまいな。
心が現れますね。七子織、あの子の演奏が気になるのか？そういえば、七子織って楽器が好きなんだっけ？声かけてみたらどう？いえ、いいです。ブレイドのお姉ちゃん！多分、七子織のことだよ。はい。リュートに興味があるの？弾いてみない？どうしよう。気になるんだろ？言ってみなよ。けど、私のわがままで。気にしない気にしない。俺たちも七子織が興味あるものに興味があるからさ。じゃあみんなで行こう。来た来た。すごく上手に弾いてたな。ありがとう。うちはトリゴリウトを作ってるから、赤ちゃんの時から触ってるの。だから自然と弾けるようになった感じかな。へえ、すごいな。でも私はまだまだ。大人の人は歌いながら弾いたりもできるしね。きっとお姉ちゃんもできるんでしょ。私はさっき自分もやってみたいって目をしてたから。演奏してみたいけど、ここではあまり。恥ずかしいから？平気だよ、あまり人もいないし。そうそう、ちょっとだけでいいからさ、やってみなって。うん、七子織の演奏を聞いてみたいな。じゃあ少しだけ。やったの持ってんな。ずっと聞いていたいくらいだね。あれ、止まっちゃった？いいところだったのに。もうおしまいなのか？Ami Pon, répétit d'instant. Qui est Ami Pon? Suis Tipi Tapi, producteur de musique. J'ai parfois mal à prononcer nom, alors pouvez m'appeler Monsieur Tapi, heureux de faire votre connaissance. D'accord, et qu'est-ce que vous voulez, Monsieur Tapi? Ce que je veux. On était juste captivés par chant merveilleux de jeune demoiselle. Vous voulez dire Ursula? Oh, donc s'appelle Ursula. Anipon Ursula voit transporter Monsieur Tapi. Monsieur Tapi aimerait que voix parvienne aux oreilles de tout le reste. Qu'en pense Ursula? Voudrait aussi ravir cœur du monde entier? Je... Anipon Ursula, chanson d'Ursula à pouvoir énorme. Je ne peux pas, je suis trop timide, c'est trop pour moi. Non, 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 Ursula peut pas refuser. Voix aussi belle et faite pour chanter. Je suis sûr que ce sera simple comme tout. Mais... Tu devrais tenter le coup, Ursula. Mais oui, vas-y. Il n'y a pas de mal à être timide, mais il n'y a pas non plus de mal à tenter quelque chose de nouveau. C'est vrai, mais je ne sais pas si j'ai besoin de nouveautés. Je suis déjà heureuse de vous avoir comme amie et de parler avec vous. Et j'ai appris à me rendre utile au combat aussi. Mais chanter, ça serait... Génial, serait génial. T'auras aussi envie d'entendre Ursula chanter plus souvent. Moi aussi. Si vous le dites, alors je peux essayer.
Excellente nouvelle, Monsieur Tapi va s'occuper des préparatifs sur le champ. Studio est à Argentum, pas loin de coin du Miam Miam. Je vais tout organiser, venez dès que vous serez prêts. Ok. Hé, hey, madame. Vous allez encore chanter? Oui, on dirait bien. Alors prenez mon Toriganda. Hein? Vous en avez joué avec tant de joie et d'entrain que je pense qu'il sera plus heureux entre vos mains. Tu en es sûr? Mais oui, et comme je vous ai dit, ma famille en fabrique. J'en aurai vite un nouveau. Papa a dit que celui-ci est un chef-d'œuvre, mais on en a tellement qu'il ne remarquera rien, j'en suis sûr. C'est... Ne vous en faites pas, et puis vous avez besoin d'un instrument, non? D'accord, mais je te le rendrai. Je te le promets. C'est vraiment pas la peine d'en faire un plat. Mais bon, si ça vous fait plaisir, d'accord. Merci. J'espère que j'aurai vite la chance de vous entendre chanter à nouveau. Il y aura sûrement un retournement par rapport à l'instrument, je pense. Voilà la quête que l'on voulait faire à la base. Après une demi-heure. Entretenez-vous avec Tipi Tapi au coin du Miam Miam à Argentum. C'est ma mission qui est revenue, ça? Eh oui. Ah, il lui restait un truc à débloquer. Voilà. Bon, les autres débloquent rien parce qu'à tous les coups, c'est des titans qu'il faut tuer. Ce qui reste du coup assez cohérent. Et pour le niveau 3, il faut atteindre le niveau 2 de sa compétence en faisant des missions de mercenaires et donner un concert. Comment ça? Bon, ça sera débloqué après, je pense. Du coup, je sais pas si... Bah si, il faudra l'XP en combat. Niveau 4. Niveau 2, niveau 4, ça va être long. Mais elle a pas d'XP à prendre, du coup, techniquement, j'en ai pas besoin dans mon équipe. Vraiment, en fait. Bref. On va quand même faire sa quête. Coin du Miam Miam à Argentum. Ça me rappelle d'ailleurs qu'il est censé y avoir un PNJ ici. Qui était censé venir pour chercher je sais plus quoi. Il cherchait un endroit avec des montagnes, enfin des... Des chutes d'eau, des trucs comme ça, ça m'a l'air d'endroit parfait. Après, est-ce que je vais le trouver? Ça, c'est autre chose. Après, de tête, il n'y a pas 36 000 endroits où il peut être, mais... Mais cette ville est assez grande, du coup, ça pourrait prendre un certain moment. Quoique, je crois qu'il était pas hyper caché, hein, ce noupon, à la base. J'avais bien pris ce coffre, j'avais un doute. Voilà, la musique est quand même plus douce de nuit. Je me demandais si on pouvait monter là-haut, mais... Sûrement. Un opon qu'on cherchait, mais après, est-ce qu'il est vraiment en ville? Parce que la dernière fois, il était en ville, du coup, je me suis dit qu'il serait en ville, mais j'en ai aucune certitude en fait. Et puis ça me saoule surtout, donc j'irai sûrement le chercher hors vidéo. Enfin, chercher sa position, après on le fera ensemble. Argentum, c'est à l'auberge, je crois qu'elle voulait aller. Pas sûr.
c'est ça. Ah, c'est toi. Oh, ami Pone Ursula, merci d'être venu, tout est prêt. Bien, tout d'abord, voici petit contrat à signer. Cela me paraît bien louche. Poppy trouve aussi que quelque chose sans mauvais. Mais non, ne vous inquiétez pas, on a déjà eu du mal à convaincre Ursula de se lancer. Et maintenant, elle a la possibilité de partager son talent avec le monde entier. On devrait plutôt la soutenir. Si des problèmes surviennent, on pourra toujours s'en occuper en temps et en heure. Très bien, voilà pour contrat. Maintenant, pouvons-nous concentrer sur naissance de nouvelle idole. Avons beaucoup de travail devant nous, ami Pone Ursula, alors on repatrie en route, d'accord? D'accord. Tout d'abord, avons besoin de voix puissantes pour captiver tout auditoire. Ensuite, devons travailler image pour attirer et retenir attention. Et enfin, nous devons travailler passion pour assurer présence sur scène. Pas d'inquiétude, Monsieur Tapi va apprendre tout ça à Ursula. D'accord. Pour l'instant, ami Pone Ursula est niveau 1 dans tous ses domaines. Eh bien, il y va pas par quatre chemins. Si ami Pone n'y a curieuse, Nia et voix niveau moins 5, image niveau moins 2 et passion niveau 5. Eh hey. Était pour rire, bref, premier objectif est atteindre niveau 2 dans tout domaine. Si ami Pone veut nous connaître niveau actuel, venez parler à Tapi. Bien, ami Pone, commençons. Si c'est que des missions de mercenaires, ça va être chiant. Amenez toutes vos compétences scéniques au niveau 2 en particulier en participant à des missions de mercenaires. Ok. Donc c'est des quêtes de... C'est chiant. C'est chiant. Et bien sûr, il faut qu'Ursula soit dedans à chaque fois. Sinon, c'est pas drôle. Non, Ursula, elle est là. Alors, glace humanoïde. Parallèlement. Alors d'abord on veut de la glace. Et si possible humanoïde. Ensuite on veut de l'ombre. Et si possible pas terminé. Tu prends combien de temps à faire ces petites missions du coup? 5 minutes. On va pouvoir continuer la quête de l'autre du coup. Quête. Hop. Passe-temps toxique. Rendez-vous au grand event du Raya. Je sais pas où c'est. J'aurais dû regarder avant. On pourrait lui parler du médecin aussi qu'on a trouvé. Mais... oui, mais c'est où? Est-ce que j'ai tous les personnages requis? Oui, oui. Est-ce que j'ai Pyrrha actuellement ou est-ce que j'ai Ikari? Ouais, comme prévu. Je n'avais pas tous les personnages. Et surtout, je n'ai pas récupéré... Elle. Forcément, ça marche beaucoup mieux. C'est pas Garfon, c'est pas par là. Comment je vais là-bas, moi? C'est pas au-dessus, hein, on est d'accord. Hein.
Oh non, ça a l'air d'être à cette hauteur-là, donc ça doit juste être de l'autre côté. Il me fait délirer, Finch. Je crois que c'est un mec, mais c'est peut-être une fille. Ah, on peut peut-être monter dedans, je viens de voir ça. Hola, kochi yo. Hayaku tsuite kite. Shigoto o suru dake nano ni, eraku harikitteru mo. Minna ga issho ni iru kara, ureshii ndaro? Sou desu yo. Shigoto mo asobi mo, hitori dake ja tsumaranai desu kara ne. Sore ni shitemo, konna tokoro kara kanshi o shite ta no ka? Sou yo. この場所が最適なの。周りに何もないけど、どこをどう見張ってたんだ？見てて。今どんな様子か調べてみるわ。あの辺りに監視対象の2人の男がいるわ。飽きもせずに草花を集めてるみたいね。それからもう1人、学者風の男は部屋にこもっているみたい。そんな遠くの景色がわかるも？すごいも！花の望遠レンズを使ってもそんな遠くまでは見えないも。その能力で今までずっと3人を同時に監視してたのか。4人よ。4人？もともとは4人の怪しい人物を監視してたの。で、そのうちの1人はさっき脱落したから、残りは3人なのよ。彼らは一体何をしているんだ？監視してるだけじゃ詳しくはわからないわ。草花を集めて何かを作って。それを国外へ運び出してたってことしかね。一体何をするつもりなんだろう。草花の種類はわからないのか。ごめんなさい、そこまではわからないわ。私は専門家じゃないもの。そうか。ねえ、直接聞きに行きましょうよ。直接って3人から？そうよ。3人を締め上げれば、草花の正体も目的も全部はっきりするじゃない。それはそうだけど、ここで黙って見てるのも飽きちゃったのよね。私は愛しのドライバーと一緒にいたいの。ほら、3人のところへ行きましょう。Ursula est revenue, ok. Certificat de chant, merci. Ah. On finit une lame. C'était pas Uraya, c'était Argentum, je crois. Ensuite, la suivante. Paf. Glace féminin et vif maîtrise du vent. Pareillement. Maintenant, du vent. Alors le vent... Est-ce que j'en ai chopé de nouvelles? Parce que sinon... Paf, ça c'est fait. Si c'est ça à chaque fois et qu'il faut les passer niveau 4, ça va être long. Du coup, qu'est-ce qu'elle nous demande, elle? Rendez-vous sur le rivage d'une baie proche. Vous voyez, il y a un trou, on peut pas monter dedans. Bon, je me suis rendu compte quand on allait par ici, justement.
sais plus si on a découvert des trucs secrets par ici. Après, est-ce que ça aurait un grand intérêt? Ah, peut-être par là. Non. Alors ça saute tout seul, hein. C'est pas moi qui le fais. Ça me semble compliqué par ici. Je cherche beaucoup trop loin, je pense. Bref. On a 5 minutes pour aller faire des choses. Ah, par ici, d'accord. Pourquoi pas? Ça va être long, mais pourquoi pas? Eh, c'est vrai qu'il y avait un tyran par ici qu'on n'avait pas tué au final. Lui, justement, je crois. Il est encore en animation pour sortir. Voilà, niveau 41. Maintenant, on lui éclaterait la gueule, mais c'est pas grave. Et il nous manque aussi 3 doublons aux pompes, on sait pas où est-ce qu'ils sont. Bon, si à la fin du jeu, vraiment, il me reste que cette quête-là à faire, je chercherai sur Internet. Mais sinon, j'ai pas très envie. Bonjour, cassez ta gueule. Excusez-moi, on aimerait vous poser une question. Bonjour. Pourriez-vous nous dire dans quel but vous cueillez toutes ces fleurs? Qu'est-ce que ça peut vous faire? Vous cherchez les ennuis, c'est ça? J'ai pas l'impression qu'ils aient envie de nous confier, de se confier à nous. Dans ce cas, on a qu'à les convaincre. Allez, vous êtes niveau combien? 33? Faites-moi rien. Ah, c'est joli son attaque. Allez, tapez un peu. Normalement, vous êtes censé être plus fort que moi. Ça va être long. Parce que sinon, ça va prendre une pompe, j'ai l'impression. Allez, on les achève. En beauté. Donc, vous êtes plus enclin à parler maintenant? Je sais plus parler, c'est chaud. Bon, et maintenant, vous voulez bien nous dire pourquoi vous cueillez ces fleurs? On garde le silence, vous avez l'air de m'aimer souffrir. Laissez-le, Azami, il ne parlera pas. Qu'est-ce qu'on fait alors? Nous pourrions examiner le contenu de ces caisses, nous, pour commencer. C'est là qu'ils entreposent leurs cueillettes. Nous pourrions en apprendre davantage en observant ces fleurs de plus près. Qu'y a-t-il à l'intérieur de ces boîtes? Ah! 7 en botanique? Sérieusement? D'accord.
Alors, est-ce que j'ai des lames qui ont de la botanique par là? Oui. Est-ce que j'en ai une autre qu'à botanique 3? Botanique 5, ben voilà. Ces fleurs sont originaires du Raya. Cette espèce en particulier est connue pour contenir un poison mortel. Ce sont des tanazalées, un arbuste dont les fleurs contiennent une toxine mortelle. Qu'est-ce que vous comptez en faire? Feu, qu'est-ce que j'en sais, moi? Oh, vraiment, peut-être que goûter aux fruits de votre labeur vous rafraîchira la mémoire. C'est la vérité, je ne sais rien. On a juste été engagé pour cueillir ces fleurs, on ne sait rien d'autre. Si vous voulez en savoir plus, vous devriez interroger l'autre. L'autre tirait dans sa hutte aux alentours de Fansamima. Comment vous êtes au courant? Je vois tout, mon cher, vous ne pouvez rien me cacher. C'est une sorcière. Je vais prendre ça comme un compliment. Nous avons terminé avec eux. Allons rendre visite à celui qui se terre dans sur la falaise d'Ombrefeuille. Tu peux surtout me rendre mes lames? Parce que si je les ai sur moi, c'est parce que j'en ai besoin. La deuxième, j'ai déjà oublié ce que j'avais. Je crois que j'avais Cassandra, mais je suis plus sûr. On va dire que c'était Cassandra. Ursula est revenue. Voilà. Oh oh. Je pense qu'Ursula est fait pour nous permettre de nous rendre compte qu'on peut évoluer les lames assez loin juste avec les missions de mercenaires si on a la flemme de jouer avec. Tu m'as dit niveau 1. On va d'abord le mettre niveau 1. Non. Tu pouvais être cohérent. Et ensuite encore maîtrise du vent. Moi ça me va, mais voilà quoi. Donc, la hutte sur la falaise à Ombrefeuille, c'est juste au-dessus, non? Ah non, c'est ici. Ça me rappelle la petite 5-10 minutes que j'ai passé pour aller de l'autre côté et me rendre compte qu'il n'y avait rien. Quel souvenir déplaisant. On va dire ça comme ça. Alors on est bientôt à une heure de vidéo, je sais pas comment je couperai ça. Il n'y a pas de combat, du coup j'ai pas grand chose à couper, à part les déplacements. Du coup je pourrais faire une coupure là, mais je verrai. Je verrai ça au montage, je pense, un peu plus tard. C'est marrant parce qu'il est court sur pattes, du coup il doit courir super vite, Finch. Enfin c'est marrant, non, mais... Enfin si, c'est marrant, mais c'est pas marrant, quoi. Je n'entends rien, il y a peut-être personne. Si, il est là. Il n'a pas mis le nez dehors depuis que je le surveille. Et fait quoi, fonce dedans pour surprendre vilain monsieur? On demande à Poppy de détruire porte avec missile? Oh là, on se calme, on n'est pas là pour faire exploser cette hutte. Pas de missile? Oh, Poppy aurait vraiment aimé faire entrer explosif. Si je me souviens bien, une Nopon passe régulièrement faire le ménage, on pourrait l'interroger. On a juste à la retrouver alors. Elle ne passe ici que très tôt, à l'aube, et il faudrait l'intercepter à ce moment-là. Ouais, Azami, c'est tout, c'est même peut-être trop. Il y a plein de choses que je ne sais pas, je ne fais qu'observer dans l'ombre après tout. Très tôt le matin, genre c'est pas ce bouton. À l'aube. Genre là.
Puis-je poser une question? Aipon veut que Tolilu raconte ce que fait Client. Désolé, mais Tolilu s'occupe que de ménage, c'est pas du tout ce que fait Client comme travail. Tolilu sait rien et apprécierait si Amipon pouvait laisser Tolilu tranquille maintenant. Réponds-nous! Le louche te l'ordonne. Mais Tolilu sent grande désapprobation. D'accord, Tolilu va parler, mais Amipon doit promettre de pas répéter, d'accord? Client de Tolilu est botaniste appelé Packle. Packle sort jamais, ouvre seulement la porte pour laisser Tolilu entrer. Tolilu doit toquer suivant code pour entrer, doit toquer 16 fois, et très fatigant pour elle de Tolilu. Mais rappelez-vous, Tolilu ne vous a rien dit. Merci. Bonjour, je tape 16 fois. Il faut toquer 16 fois, c'est ça? Malgré ma surveillance, ce détail m'a échappé, on dirait. Personne ne vous demande d'être omnisciente, même les meilleures lames ne sont pas infaillibles. C'est vrai, merci. Bien, c'est parti. Toc toc toc, toc toc toc, toc toc. 3, 6, 7, 8. Toc toc toc, toc toc toc, toc toc. Phew, la Nopon avait raison, ça fait mal au bras. Packle? C'est moi, oui, qui êtes-vous? Nous avons remarqué que vous collectionnez des Tanazalés, pourquoi donc? Des Tanazalés? Je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Mais bien sûr. Vous en extrayez des toxines pour fabriquer un poison extrêmement puissant, n'est-ce pas? Mais comment? Rien ne m'échappe, très cher. Vous ne savez peut-être pas, mais le vaisseau chargé d'acheminer votre cargaison a eu un accident. Oh, et vos deux cueilleurs de fleurs ont décidé de poser leur démission, effective immédiatement. On dirait qu'il ne reste plus que vous, mon pauvre, vous devez vous sentir bien seul. C'est pourquoi je vais vous le demander gentiment, dites-nous ce que vous fabriquez. Je ne vous dirai rien. Je vous conseille vraiment de coopérer, c'est dans votre propre intérêt. Mon œil clairvoyant voit tout, alors n'essayez pas de nous cacher quoi que ce soit, car ça ne marchera pas. Arg! La partie est terminée, confessez-vous, vous en tirez mieux après ça, croyez-moi. J'ai été engagé par un Gormotoa. Le poison que je fabrique, le Tana Titan, j'étais censé le lui livrer par vaisseau. Le contrat stipulait que l'on devait livrer deux cargaisons de poison. Mais notre dernière livraison a coulé avant d'atteindre sa destination. Ce doit être le vaisseau Kazami a coulé. Ah, alors nous avons préparé une nouvelle cargaison. Celle qui se trouvait sur le vaisseau que vous avez abordé? Que comptiez-vous faire d'une telle quantité de poison? Comme son nom l'indique, le poison vise les titans en paralysant leur système nerveux. Comment? Mon client comptait injecter le poison directement dans le corps du titan pour l'affaiblir. J'imagine que votre client a toujours les moyens de mener son plan à bien. Oui, la première livraison est bien arrivée à destination. Quelle destination? J'ai bien peur de ne pas pouvoir vous le dire. Mon rôle s'arrête au chargement de la cargaison, je n'ai jamais su quelle était sa destination. C'est malin. Voilà, nous voilà sans le moindre piste, voilà qui est inquiétant. En effet. ねえ、もっと私を頼ってくれないの？もしかしてシスアルスチンが運び込まれた場所がわかるのか？悲しいわ。私の力あまり認めてくれてなかったのね。いや、そんなことはないけど。冗談よ。愛しのドライバーのために一肌脱いであげるわ。 そうか。アザミの千里ジャガンなら少し待ってて。どうなんだ？ 何か見えたのか？巨大なエーテルの採掘場のような場所で男たちが作業をしていたわ。そこに見たことがない大きな装置が設置されていた。さらにその隣にシスアルス人があったわ。近くにグーラ人の男も見えた。エーテルの採掘場？インビディオにそんなところがあるの？ スペルビアよ。そんなところまで見えるのか？うん、そうよ。だから、どれだけ離れていても、私は、愛しのドライバーのことを、ずっと見てるのよ。うわぁ。ともかく、
スペルビアのエーテル採掘場なんだな。そうよ。大きな装置ってのは何だろう。きっとサクラみたいなものも。けどそれじゃあシスアルスチンの出番はないんじゃないか。エーテルを採掘しているところでシスアルスチンを使うとすれば。じゃあ謎の装置はシスアルスチンを運ぶものも。エーテルの流れはいわば血の流れのようなもの。たどればアルスの体内にたどり着く。そこでシスアルスチンを使えばスペルビアのアルスの衰退はより早まる。だったら急がないと。犯人の目的が達成されたらスペルビアが大変なことになるぞ。そうだな。一刻も早くスペルビアに戻り犯人を捕まえるぞ。楽しくなってきたわね。Voilà qui ne présage rien de bon. Bon, du coup, elle a fini ses trois quêtes, elle. Un petit certificat d'esprit. Vous voyez, on n'a rien combattu et elle a déjà pris des trucs, c'est pété. Et donner un concert. Et je peux le donner là, mon concert ou... Le son de chant, le son de style. On verra ça plus tard. Alors, quelle quête je continue? On va finir celle-là quand même. Non, c'est pas là. Et pour ceux qui se demandent, non, je n'ai pas oublié la mission d'entente, le tête-à-tête. Diagon dans la salle du trône, mais c'est juste que je pense la faire quand j'en aurai besoin. Genre quand je serai en train d'XP les derniers trucs Diagon quand il sera niveau 5. C'est bien, ça nous descend quasiment tout en bas de souvenirs. Ça doit être la machine qui sert à propager le Tana Titan. Elle est encore plus grosse que ce que j'imaginais. Elle a l'air de tourner à plein régime. Nous devons retrouver celui qui l'opère et le forcer à l'arrêter. Le Gormotois n'est pas loin, il est juste de l'autre côté. Alors il n'y a pas de temps à perdre. En plus on est caché par la brume qui arrive même à descendre dans cet endroit machiavélique. Par contre, tu me dis que c'est en hauteur, c'est genre dans ce trou. Ouais, ça m'a l'air. Hein. Bonjour, pourriez-vous arrêter de tuer un titan qui est déjà assez mourant comme ça? Il s'est pris trop de trucs de la gueule depuis le temps. Eh, vous là, on arrête tout. Éteignez cette machine tout de suite. C'est ça, ouais, dans vos rêves. Non mais, tu vas la fermer ta gueule? T'as vu ton niveau et t'oses me parler? Non mais c'est l'hôpital qui se charge de la charité. Enfin qui se fout de la charité.
Allez, il est temps de mourir. Hein. Voilà, et deux, hein. Plus les autres, c'est pas des titans, du coup ils sont très très faibles. Ah. Donc, bon, vous allez nous expliquer comment arrêter ça maintenant. Ah ah, mais non, non, mais qu'est-ce que vous croyez, bande de blaireaux? Je ne vous le dirai jamais. De toute façon, maintenant qu'elle est en marche, il n'y a plus moyen de l'arrêter. Oh, je vois, dans ce cas, vous n'aurez plus qu'à révéler ce que vous avez fait au reste du monde. Hein? Transport de produits illégaux, contrebande, corruption, chantage... Je m'arrête là, mais la liste est encore longue. Attendez! Oh, je sais, vous avez peut-être la gorge sèche. Que diriez-vous d'une petite gorgée de Thanatitan? Je suis sûr que ça va vous donner un petit coup de fouet. Non, s'il vous plaît, arrêtez! Mais quel est le problème? Il y en a tellement, personne ne remarquera que vous en avez bu un petit peu. Allez, ouvrez grand. Je vous en supplie, non! Alors dites-moi comment arrêter cette machine. Bon, dans ce cas, il faut appuyer sur les boutons dans un certain ordre. Bleu, puis blanc, puis bleu. Bleu, blanc, bleu, c'est ça? C'est ça, vous avez eu ce que vous vouliez, non? Alors laissez-moi partir, s'il vous plaît. Vous êtes sûr d'avoir tout dit, vous ne me feriez pas une ultime cachonnerie ici? Non, je vous jure, jure. Eh bien, Azami, on peut dire que tu es doué pour obtenir des aveux. Azami est vrai démon quand on sourit comme ça. Tora semble petit, comme petite feuille. Tora, c'est maintenant que doit jamais mettre Azami en colère. Maintenant que nous savons comment arrêter cet engin, il ne nous reste plus qu'à passer à l'action. Ouais. Bien dit. Genre, les mecs, vous avez rien de mieux à faire que essayer de tuer des titans, quoi. Genre, si... Genre, il meurt pas assez vite comme ça. Pourquoi mon voisin déménage tout le temps quand je fais une vidéo? Je vous jure, hein, j'étais chez moi toute la journée, il a pas fait de bruit à part quand je fais ma vidéo, quoi. Alors, bleu, puis blanc, puis bleu, c'est ça? J'ai entendu qu'on l'arrêtait, je te laisse faire. C'était bien ça? Pas le temps pour féliciter Fripon, qu'est-ce qu'Amipon veut le faire maintenant? On n'a pas le temps de partir à sa recherche pour qu'il nous dise enfin la vérité. C'est une situation épineuse. Vite, à l'ascenseur, j'ai une idée. C'était bien ça, hein, je me suis pas gouré. Ou alors c'était blanc, bleu, blanc. Non, c'était bleu, blanc, bleu. Oh, ma mémoire, quoi. Si je me suis gouré, désolé. C'était pas voulu. Mais il est déjà mourant, le titan, donc c'est pas de ma faute. Hein. J'ai rien à voir avec sa mort. Je vous jure. ここなら行けそうね。少し下がってくれるかしら。アザミ、どうするんだ。そうも、こんな場所にいたら装置は止められないもん。大丈夫よ。最初に船を沈めた時と同じ方法を取るの。それって、よく見ててね。
T'es un peu flippante. Hein. Je dois te le dire quand même. Voilà, une mission rendement menée. Ouais, ça m'a l'air un peu optimiste. Ceux qui ont dû s'échapper risquent d'en vouloir refaire par les deux. Oh, je n'en serais pas si sûr. Ce sont des récupérateurs qui ont remonté cette machine super rare. Je doute qu'ils puissent la reproduire. Et n'oublions pas que sans botaniste, ils auraient aussi beaucoup de mal à fabriquer du butin à titan. Bref, tout ça pour dire qu'à mon avis, c'est la dernière fois qu'on entendra parler de ce genre d'histoire. Je croise les doigts pour que tu aies raison. Mais bon, on a fait ce qu'on a pu, et t'as vraiment assuré sur ce coup. Quoi, c'est tout ce que j'ai comme remerciement, alors je mérite quand même plus que ça. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus pour te remercier? Après tout ce que j'ai fait, tu pourrais au moins m'inviter à sortir. Bon, je vais te pardonner, c'est vrai qu'après tout, j'ai eu l'occasion de passer un peu de temps avec toi. J'espérais que cette mission durerait plus longtemps, et qu'on passerait plus de temps ensemble. Tout ce que je voulais, c'était te garder pour moi toute seule. Quant à notre Gormotois, s'il pense s'en tirer comme ça, il se trompe lourdement. Dès que je lui aurais limé la main dessus, je lui ferais payer son mensonge et honte. Voyons voir, un millier de coups de fouet devrait faire l'affaire. Putain de sadique. Et une mission terminée. Et voilà. Facile. Alors, ça débloque des trucs chez des gens ou pas? Nouvelle mission à Morardin, Poesclé niveau 3, c'était le but. C'est pas si mal. C'est pas ce que je veux faire. Du coup, la suite, c'est juste de l'entente, ok. Et on a fini sa quête, donc c'est pas plus mal. Ah, par contre, c'est une quête rose. Criminel en cavale. Après la confusion qui a suivi, des mercenaires ont fui les lieux. Retrouvez-les. Œil vif, maîtrise de la terre, maîtrise de la glace. Boulet, renseignement. Par type d'arme. Où est-ce qu'ils sont mes boulets? Et renseignements après, bah... Ça y a que les petites lames qui l'ont. Si par élément, ça aurait été mieux en fait. Mais lui, il l'a déjà et en terre. Ils sont déjà maximum, mais j'ai pas trop le choix. On va faire ça comme ça. Allez, fais pas ta pute. Accélère. Le mouvement. Et ben voilà, cette quête était assez simple au final. Pour le coup. Nouvelle étoile, on pourrait la finir. Bon, on va la finir. Si jamais il y a du creux, comme ça on fera les autres quêtes. Enfin, on va la continuer plutôt parce que je suis pas prêt de la finir. Argentome.